Nicolas Ibati dit bonjour. Bonjour. En ce jour de deuil, à Houston, vers qui vont vos pensées? Mes pensées vont à George Floyd, à sa famille et à travers eux, à toute la communauté afro-américaine et à tout le monde noir, parce que le crime dont il a été victime est symbolique d'une tragédie qui dépasse la famille de George Floyd. George Floyd a-t-il été tué pour l'unique raison qu'il était noir? Sans aucun doute. La ségrégation est une réalité aux États-Unis, le racisme est une réalité aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'élection du président Trump est comme une sorte de contre-coup à l'élection d'Obama pour freiner, à travers l'action des suprémacistes blancs, la montée des droits civiques, l'affirmation de l'identité noire aux États-Unis. Y a-t-il un paradoxe Obama et un réveil du suprématisme blanc? Mais je dois dire que le suprématisme blanc, leur montée en puissance est une sorte de réaction contre l'élection d'Obama. Mais les manifestations qui se déroulent à travers les États-Unis, qui cette fois-ci non seulement mobilisent la communauté noire, mais aussi une importante frange de la communauté blanche, prouvent aussi qu'il y a des avancées importantes et que c'est un mouvement de réaction qui n'a pas de chance de prospérer dans la durée, parce que les Noirs ont décidé de ne plus se laisser faire. Il y a eu beaucoup de manifestations dans le monde et en Europe notamment, mais seulement quelques regroupements en Afrique, à Dakar, à Lagos, à Nairobi. Comment expliquez-vous cette relative retenue? Eh bien, les conditions des libertés démocratiques sont telles que très souvent, dans beaucoup de pays africains, les manifestations ne sont pas possibles parce qu'il y a aussi une crainte de la contagion de manifestations populaires. Et naturellement, il y a aussi le fait que beaucoup de ces régimes cherchent naturellement l'appui des puissances américaines et européennes. Donc, si à part peut-être le président du Ghana ou le président de la Commission de l'Union africaine, on n'entend guère de chefs d'État africains, c'est parce qu'ils ont peur de subir les représailles de la part de Donald Trump? Oui, certainement. Je dois dire aussi que la société civile est très mobilisée autour de cette question. Et il faut le dire, les liens entre le mouvement afro-américain et l'Organisation de l'Unité africaine, c'est une vieille histoire. En 1957 déjà, Martin Luther King avait été invité à la cérémonie de l'indépendance du Ghana. En 1964, Malcolm X a participé au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine au Caire. Et justement, cette venue de Malcolm X au Caire, c'était en 64, du temps de Nasser, du temps de Nkrumah. Est-ce qu'on pourrait revoir aujourd'hui la même chose ou est-ce qu'au contraire, les liens ne se sont pas distendus entre la communauté afro-américaine et l'Union africaine? À mon avis, il ne faut pas oublier qu'en 2000, l'Union africaine a décidé d'ériger la diaspora en cinquième région du continent. Et pendant la présidence de Thabo Mbeki et de Obasanjo, ce mouvement a pris beaucoup d'ampleur. Bon, cette dernière décennie a été marquée par une sorte de relâchement. Et bien entendu, cela reflète aussi le recul du panafricanisme sur le continent. Parce que la plupart des régimes en place ces dernières années se réclament très peu du mouvement panafricain. Et